Henry, dans le moment où on a parlé à la, fait gros tentative pour prendre contrôle, tirer ce pouvoir judiciaire. Et bien, prudent, papa, la protéger Paul. Bien entendu, là, on a parlé, nous, de contrôle exclusif, cour de cassation. Est-ce qu'on compte pour qui ça, toute manœuvre, ça y a fait? Ah, bien sûr, pas qu'on est arrêté là, on va l'expliquer tout détail. Jovenel Lisye pas bon côté par yo, yo sermenté, yo pap bay vague, yo pap abandonné. Froid ça, yo rivé devant Antonio Guterres, qui c'est secrétaire général Nations Unies, pour y aller faire qui ça, pour y aller porter plainte pour premier ministre Ariel Henry. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur TAC 509 Tout Haïti s'est connecté, ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours un grand plaisir pour nous croiser, pour nous parler des pays. Déjà là, nous temps un week-end, et m'a souhaité nous un bon week-end, pas boire si wap conduit, pas conduit si wap boire alcool. Donc là, nous prenons rentrer et tout de suite dans l'émission, mais bien avant, qui t'aime prendre un petit temps pour me remercier, pour fidélité, pour patience, parce que vous encouragez nous dans le travail là, vous restez connecté avec nous pour nous informer et nous faire travail là en toute objectivité, sans fausse côté, ni vous y monter. Partagez vidéo et surtout, pas oublier, abonnez à la chaîne là, sous pour qu'on fait ça. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Depuis 4 jours, on seul bagage qui se sert à faire actualité. Premier ministre de facto Ariel Henry, il décide pour nommer 3 juges dans la cour de cassation. Alors que nous connaissons la constitution 1987, là, il y a président de la République, là, seul un président de la République gagne obligation pour nommer des juges. Donc, posez des questions. Ariel Henry décide pour mettre 3 juges dans la cour de cassation. Est-ce que Ariel Henry c'est président pays? Est-ce que Ariel Henry a statut de président? Non. Donc, depuis l'Elfin signé accord en septembre avec différentes organisations populaires, des regroupements politiques, ils sont-ils confortables pour prendre des engagements que seul un président au pays est capable de prendre. Donc là, on déjà comprendre dans quel contexte on vit là en dedans pays. On vit en dehors du respect de la loi, en dehors du respect de la Constitution. Maintenant, qui ça, cour de cassation? Cour de cassation, nous considérons en Haïti comme pi gros juridiction en dedans pays. C'est lui-même qui l'a pour statut en dernier ressort, le gain en conflit. Par exemple, si on conflit là, on litige, on problème avec voisin, on passe dans le premier tribunal, on passe dans le tribunal de paix, ou bien c'est des litiges qui relevaient exclusivement de compétences au tribunal de première instance, ou fait appel, etc. C'est cour de cassation qui l'a pour le temps des conflits en dernier net, et c'est lui-même qui a gagné responsabilité pour le prendre dernière décision. C'est ça qui fait redouler le statut en dernier ressort. Maintenant, nous revenons au contexte, je dis là, gagner CSPJ qui était dysfonctionnel, et CSPJ pour moi-même est toujours dysfonctionnel, parce que c'est responsabilité au président de la République pour nommer des juges, et Ariel Henry, je dis là, qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas agi en toute inconstitutionnalité, en dehors de la loi, le décider, lui nommer des juges, juste en eux, en nous sérieux. Juste en eux, pas de qualité. Juste en eux, pas de légitimité. C'est des juges qui seulement là, qui nomment soit par complaisance, qui nomment soit parce que ont des intérêts politiques, etc. Mais ils n'ont pas nommé. Yo pas nommé selon principe constitutionnel. Yo ça nous clair. Nous connaissons la constitution, article 75 constitution, li fait qu'on est que juge cour de cassation yo nommé par président de la République sur une liste de 3 moun que Sénat li pral soumettre. Nous pas gen Sénat là, nous gon tire Sénat pouvoir législatif dysfonctionnel. Donc, juste en yon, que Ariel décide de nommer, que Ariel décide jodi an la, li bay Bertodos ses responsabilités pour choisir 3 juges, alors que Bertodos li fait partie de pouvoir exécutif, Bertodos li pas fait partie de pouvoir judiciaire, là. Comment li fait gen responsabilité pour la choisir juge? Comment li fait gen responsabilité jodi an pour se yon même qui a listé, qui gen une liste non juge, qui pral voye bay CSPJ? Est-ce que nous comprenons le problème? CSPJ, eux-mêmes, peut-être que
Ariel Henry te comprendre, Ariel Henry te attendre que le fin nommé juge SPJ, yo pral faire un retour de la censure pour lui, et comme si c'est bon mabon, il t'a fait le fin nommé, et puis il te attendre que monsieur t'a pral faire job là pour lui, le lui-même il t'a venu avec nouveau juge ça, que t'a pral choisi pour le mettre dans le cours de cassation, que t'a accepté pour lui, et bien, qui s'arrive là? Là, nous avons une situation côté que juge SPJ, yo refusé catégoriquement. Ils ont refusé catégoriquement pour y nommer des juges pour Ariel Henry au niveau de la Cour de cassation. Parce que là, nous avons un pays qui est dysfonctionnel, la justice dysfonctionnelle. Cour de cassation n'est pas complet. CSPJ juge nommé là, Ariel Henry n'a pas gagné légitimité pour nommer juge, Ariel Henry n'est pas président. Donc, ou bien un pouvoir législatif lui-même qui est inexistant, on tire le Sénat qui n'a pas prendre aucun engagement, qui n'a pas régler rien. Donc là, Haïti, nous avons un pays qui n'a pas poulé sous aucun principe. Nous avons un pays là, nous avons Ariel Henry contenté seulement depuis la parole, nous avons un accord en septembre, la bandit, la secoué en l'air. Donc ça, c'est des moyens de propagande liés. C'est des moyens de propagande. Donc, si nous avons essayé d'analyser et nous passé dans le passé, nous avons passé au peine, fait ça qui a passé là, déroulement scène politique là, nous avons gardé attitude acteur sous scène politique là, dans l'arène politique là, c'est comme si jouer avec nous avons joué là, c'est un joueur de pure stupidité. C'est un joueur de pure stupidité. Malgré Ariel Henry a plusieurs reprises à parler, c'est opposition politique qui a fait jouer avec etc. Mais, gros bagaille, pas arrivé à comprendre. Le fait que, de manière volontaire, ils ont choisi de mettre les principes légaux de côté, ils ont choisi de mettre les principes constitutionnels de côté, ils ont créé propre désaccord. Ils ont créé désaccord non seulement avec principe, ils ont créé désaccord par rapport avec opposition qui est en face, par rapport avec secteur société civile qui est en face. Parce que, ou près des organisations de défense des droits humains, je dis en là, qui fait partie de la société civile, là, gros paquet contestation, gros paquet mécontentement, moun yo fâché, moun yo furieux. Parce que, nous pas qu'à rentrer dans la logique, même les gens qui constituent le pouvoir Ariel Henry, qui est le monde qui fait partie de l'opposition, SDP, Fusion, etc., qui est avec Ariel Henry, je dis, 7 mois de cela, le Jovenel Moïse te prend décision. Le Jovenel Moïse te prend décision pour ne pas renouveler le mandat quelques juges dans la Cour de cassation, pour ne pas renouveler le mandat juge dans le CSPJ. Qui ça a été fait? Qui ça a été fait? Il a été porté bourré, il a été pris micro la presse, il a été fait contestation, il a été fait protestation, etc. Il a été fait pas qu'il parle en pile, pas qu'il tolé. Je dis, pour même monsieur Damzayo, même nèg sa qui te dit qu'il a défendu le principe, même nèg sa qui te dit qu'il a bataillé pour faire respecter la constitution, voilà, Ariel Henry a violé les principes constitutionnels, Ariel Henry a violé les principes légaux, ou pas attendre un mois, ou pas attendre tweet. Parce que ça, Ariel Henry a fait là, il a arrangé yo. Il a arrangé yo, puisque qui dit mettez juge au niveau de la Cour de cassation, qui c'est pire instance en dedans pays, hein? Dernier recours au niveau de la justice, c'est prendre contrôle n'importe dossier qu'a bien pour traiter, oui, en dedans pays. Hein? C'est prendre contrôle n'importe acte qui a bien pour faire, des actes judiciaires qui a bien pour faire en dedans pays, hein, là, oui. Ou bien dossier Jovenel Moïse qui n'a cabinet d'instruction. Donc nous pensons nèg pas calculer ça a fait. Même l'ordre de Ariel Henry Abdou et monsieur Sayo qui l'a si blanc mandé si États-Unis mandé et présumé suspect yo y a bayo. Mais en nous sérieux, en attendant en Haïti si y a des actes d'instruction qu'a fait, c'est en Haïti. Donc il y a toujours besoin de série de juges que on pral mettre juge ça on pral faire job sale pour yo que on ka contrôler appareil judiciaire totalement. Parce que qui s'arrive là? Ou pral comprendre que juste ça, que Ariel Henry te mette dans CSPJ, te comprendre que t'as pral manipulé yo, te comprendre que t'as pral viré yo dans 20 ans droit, fait yo fait salve, et puis kounya le gade li ou ezo a koke nan goji, gon certain détour qui fait, kounya, Ariel li pa kogye contrôle le système judiciaire là, et de manière exclusive, li kagye contrôle le bagay ka passe au niveau du cabinet d'instruction, li kagye contrôle le doyen, li kagye contrôle le commissaire du gouvernement, etc., etc. Mais pire ou instant judiciaire en dedans pays, le fait que Ariel Henry pa kogye mette juge en dedans, li pa kogye contrôle total là. Et s'il va y contrôle total là,
on garde qui ça ka fait qui pas dans intérieur il y a un paquet imagine nous si tu as un juge d'instruction qui vient là t'a dit l'impartial l'a fait travail les gens doivent faire nous on a qui dit pas langue prend donc nèg yo yo fait tout ça affaire yo fait de manière calculée jodi an là peut-être que l'ité attend le fin nommer juge tout bagaille t'a pas lisi pour lui et puis le regarder le pour récif qu'il y a fort clic à jouer influence pour arriver mettre des juges au niveau de la cour de cassation pour ça pas venir plus mal pour lui parce que le pas compte qui dernier zèle 4 il pas compte qui dernier zèle 4 et FBI yo qui t'est venu dans pénitentiaire national il pas qu'on a qui ça yo sorti. Li pa konn ki révélation ki fait parce que là c'est pas des enquêteurs haïtiens influence seul pa rive li pa rive juste là faut nous comprendre réalité qui gen là nous comprendre donc DCPJ travaille ka gen des moyens de pression qui fait pour information yo bay on juge instruction travail ka gen des moyens de pression qui fait ka gen moun ka utiliser la justice à des fins politiques. Gen doyen là par contre qui influence li ka jouer par rapport avec lui même des moyens de pression le cap sub ou bien des coco relations coco d'ailleurs li ka gagner avec un premier ministre etc ou bien des monde qui gen non yo cité dans assassinat Jovenel Moïse tout ça yo c'est des points pour nous prendre très au sérieux. Jodi an la nous obligé rester vigilant nous obligé rester veatif de manière à ce que pour coup ça pour pas passer Ariel Henry pa gen nul droit pour le besoin mettre juge au niveau de la cour de cassation. Ariel Henry n'a pas de qualité de président. Ariel Henry n'a pas de statut de président. Le fait que si un accord politique avec un paquet de merde, avec un paquet de nègres qui t'a empêché la justice fonctionner pendant 4 ans, un paquet de nègres qui t'a empêché pays en fonctionner pendant 4 ans, je dis on a des nègres d'ailleurs, on a des nègres d'ailleurs qui ont couru pendant nous, c'est bois d'ailleurs pendant nous. Donc, on pas qu'à prétendre que ça a la légitimité, ça a le plein pouvoir, non. Des séries de nègres qui après les têtes démocrates sans que yon pas même saisi sens moral, yon pas même saisi toute exigence que statut démocrate lan li fait yo. Le fait que jodi an la ou di en démocratie, le fait que jodi an ou prétendre et ou gen légitimité pour faire ceci, pour faire cela pour un peuple, pour prendre des décisions pour peuple lan, c'est pas parce qu'on sont démocrates. Jodi an la nèg sa yo c'est des tyrans yo au sommet de l'état sont pas que démagogues yo parce que démocratie en le sens même de la démocratisation bagay sa yo c'est apprendre yo l'éducation même de la démocratie ça s'apprend ça se construit donc jodi an la que c'est premier ministre que c'est ministre justice qui a fait démagogie pour arriver prendre contrôle cour de cassation nèg sa yo population t'a supposé tenu compte de toute action ça qu'a posé hein? Et puis bah on réponse le fait que nous avons un peuple qui pas vraiment connaît principe démocratique yo, le fait que nous avons une population qui pas connaît qui limite en premier ministre gagné yo pas connaît qui limite pouvoir exécutif là yo pas connaît qui limite pouvoir législatif là qui limite pouvoir judiciaire là c'est ça que fait nous un nèg là non le cité dans assassinat président. Li fait carré premier ministre, li fait carré baï tête li légitimité, li fait carré baï tête li le plein pouvoir et puis la foncé, la prend des décisions qui concernaient avenir politique pays, hein? La prend des décisions qui concernaient avenir économique pays, hein? La prend des décisions qui concernaient sécurité en dedans pays, hein? Pendant que li pas dit même à 1 seconde de près pour ta là pour t'arrêter dans tes pays, hein? Pour t'arrêter sous pouvoir. Donc là, qui ça qui doit faire, qui ça qui ca faire? Elle n'a pas parlé de pouvoir judiciaire dans le pays. Il y a toujours la justice élève nation. Mais en Haïti, le fait que nous ne nous pas comprendre sens pouvoir judiciaire, là, le fait que son paquet corrompu, nègre dans le trafic de drogue, nègre a arrêté pour drogue, lui fait prison pour drogue, lui ministre de la justice. Donc, je dis à essayer de comprendre qui problème qui est là. Posez-vous la question, est-ce que si vous avez un problème de justice, est-ce que Mounzao qui est responsable, est-ce que Mounzao qui a une responsabilité pour faire la justice fonctionner là, est-ce que le cas, est-ce que le système judiciaire là marche vraiment? Puisque c'est eux-mêmes qui décident de nommer juge, qu'on peut pareil admettre. C'est eux-mêmes qui décident de nommer juge, juge qui n'envoque ça le pareil admettre. Juge qui a fait job sale pour eux, c'est eux-mêmes qui ont choisi. Donc, vous comprenez qui réalité va vivre en Haïti là. Nous comprenons juste qui boy ou voulez mener démocratie. Vous ne pas comprendre ça que démocratie en vrai.
Et moi, j'ai l'impression que c'est un miracle qui peut faire dans le pays. C'est un miracle qui peut atterrir pour nous comprendre que l'État de droit, li marche de pair avec démocratie, et démocratie, li marche de pair avec moralité, avec éthique. Nous pas qu'à nous voler, c'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. Assassin, c'est eux qui sont au pouvoir. Drop dealer, c'est eux qui sont au pouvoir. Ils font carré à faire politique. Ils font carré à voler une grande décision pour le peuple. C'est pas possible. C'est pas possible. Jodi an, l'appropriation pouvoir l'État, il pas qu'à fait avec un petit groupe moun. Un petit groupe moun qui n'a toute malpropreté, un petit groupe moun qui n'a toute voxale, yo pas qu'à décider, c'est eux-mêmes qui pour contrôler la justice, c'est eux-mêmes qui pour contrôler pouvoir politique payant, c'est eux-mêmes qui pour président qui pour choisir qui est sur mettre comme président, qui est sur mettre comme premier ministre, qui est sur mettre comme secrétaire d'État, qui est mettre comme directeur général, alors que c'est nous-mêmes qui t'a supposé là pour bailler aval nous, c'est nous-mêmes qui pour t'a censé là pour bailler légitimité, mais on mettait dehors. Yo pas qu'on existence nous. Donc voilà, maintenant qui paye n'a vive, maintenant qui société n'a vive. En principe qui ça lié. Là on a parlé de état de droit. Un état de droit son pays côté que par exemple qui respectait tout principe juridique, qui respectait tout qui respectait ordre juridique. Et c'est là pour comprendre état de droit, il doit en accord avec l'ordre juridique payant. Toute sa loi, on dit, toute sa décret, on dit, sa constitution, on dit, etc., etc. Li doit en accord avec institution, yo. Qui sa institution reflète comme valeur? Qui sa institution reflète comme décision? Qui sa institution offre public, là, offre société, hein? C'est là, mais c'est là, nous doyer. Donc, je dis, là, nous gagnons Haïti, on a parlé de Haïti, nous parlé de démocratie, état démocratique. On a parlé de Haïti, nous parlé de pays indépendant. On a parlé de Haïti, nous parlé de État souverain. Ça y a quelque part, y aurait été dans l'abstrait. Ça y est comme si c'est en fiction, oui. Y a pas atterri. Ça y est dans l'esprit, nous y a pas atterri. On est à qui indépendant sous la dépendance de la communauté internationale, sous la dépendance même des États-Unis. N'a parlé de état de droit, alors que je dis là, pas aucune cohérence avec ordre juridique là. Nous avons état de droit, constitution a violé, principe légal a violé. Nous avons premier ministre de facto là, cherchez qu'on est sous qui base lié ou pas besoin. Ou pas besoin de base constitutionnelle, ou pas besoin de base légale. La brandi on encore 11 septembre qui pas qui à un point finir. Donc dites-toi est-ce qu'on est état de droit, dites-toi réellement dans qui société on va vivre. Donc yo conditionne même, yo conditionne chaque grenadien aujourd'hui pour vous comprendre que nous en corruption. M'habitue déjà à ça. Nèg la volé l'argent stade 25 stade. M'habitue tant de ça. Comme si tout bagay nous accepte, tout bagay est comme si nous prenons forme vasan. Yo mette nous un verre droite, nous prenons forme nan. Yo mette nous un verre champagne, nous prenons forme nan. Yo mette nous un verre avec, nous prenons forme nan. Pas gon forme yo vle ba nous nèg politique ça yo vle ba nous, nous pas prendre. Et bon bagay pour nous connaître. Nous pas karete chita là à accommoder nous avec toute situation présentée devant nous. Non, insécurité en nouvel, kidnapping chaque jour, et comme si tout le monde attend tout par yo. Non. Grand goût pas qu'à manger, gardez qui situation travailleur à vivre là. Yo a revendiqué pour un salaire minimum, yo a revendiqué parce que 500 goud yo ba yo pas qu'à régler rien pour yo. Au lieu de ça, au lieu toute couche qui dans même situation avec yo, ta porté yo main forte, ta vini avec yo, vini corps mouvement qui réaction qui gen là? Qui réaction qui gen là? Ou après des séries de policiers, yo a fait usage excessif de la force, parce que bon, dis nous, depuis manifestation pacifique, pas supposé gen usage de la force même. Depuis moun yo se pacifique qui a manifesté, policiers doivent respecter ça. Mais policiers en tout, li pas supposé prendre l'ordre pour la brutaliser moun qui a manifesté, qui a revendiqué le droit. Alors que nous dans même situation, alors que nous vivons même réalité, hein? Gen une série de policiers qui plaignent, yo nan manifestation à bat travailleurs qui revendiquent augmentation salaire de base. Et puis policiers après ça leur sont dans manifestation la plaignent, la douce ça au balien, il pas qu'à régler rien.
Si ça yon ba liyan après yon fin prend déduction pour au Fatma yon prend déduction ou na, li pa ka regle an yon, mais yon ba lod pou le maspine travailleur yon, la maspine yon. Yon pa ka kampe face avec un lod qui manifestement illégal. Donc je dis après le dim, nous gon société côté que valeur yon respecte. Nous non société jodi an la côté que yo met bay nèg lon lòd ki illégal yo met li met konnen lòd yo passe là son lòd ki ka pi devant metel nan problème li koube soit parce que le pa vle perdre job li koube soit parce que le pa vle transférer et puis soit tande a la maspine moun pa ka manger asé nous tout insécurité asé nous tout chômage asé nous tout mais ou jwenn même moun ki dans même situation avò. Même moun ka vive même misère avant, c'est lui même qui campe en face. Et problème ça payan gen, c'est problème ça haïtien gen. Moun nan li nan même misère avant, li nan même grand gros avant. Nous nan même extrême pauvreté, mais c'est lui même qui campe en face, c'est lui même qui a prend l'argent dans mes politiciens, l'a manifester pour le bateau. C'est lui même qui a prend l'argent dans mes politiciens, l'a décidé prend la rue à manifester pour yo mettre, m'pa konnen comment yo kon mettre le quartier des séries de vagabonds avec zam. Kap empêche moun yo soti, kap mette barricade, kap dou barricade di avenue yo, empêche ou alvake avec activité. C'est modèle moun sa ou nou gen nan société. Et d'autant nou gen modèle moun sa ou ki pa réfléchi, ki pa comprendre que jodi an la, fok nou krasé vè sa ou, nou pa dwe continuer à prendre forme vè, à prendre forme vaz yo mette nou, forme vaz politicien, forme vaz de série de acteurs politiques qui illégal en dedans pays, en tête pays, kap gérer administration l'État. Nous supposons commencer revendiquer, rebeller. Nous supposons faire nèg yo senti frustration nous rivé sou yo parce que comme toujours dit nous plus passé yo. Nous plus passé yo combien nèg qui gen combien ministère qui gen là combien ministre qui gen secrétaire d'état bon grand ministre quoi grand ministre on contrôle ministère yo on contrôle direction générale yo secrétaire d'état yo donc nous gon ti point moun qui campé qui accaparé au pouvoir l'état qui campé yo décidé mettre juge yo vle yo décidé mettre ministre yo vle mettre secrétaire d'état yo vle yo décidé faire ça yo vle dans pays yo a décidé pour 11 millions moun alors que yo illégal alors que même 6 millions dans 11 millions ça pas de légitimité et puis nous choisi nous tolérer résultat. Et résultat qui s'allie là, plus grand goût, plus chômage, plus misère, insécurité, kidnapping, violence, ou pas capable passer Matissan, ou pas capable passer quoi des bouquets. Ou pas capable passer ou pas capable passer mon cabrit 400 marozo. Donc je dis là mais qui réalité on vivre là, longtemps te yo te confond séparation nèga ou nèga. Bah je dis pas gain réalité ça. Pas gain réalité ça nèga aujourd'hui. Tout côté viré dans tout petit coin c'est kidnapping, tout côté viré c'est gang qui a plevé moun, c'est kidnapping, c'est bandit, c'est zame, etc. Parce que yo choisi yo gangsterize pays hein. Yo gangsterize chaque commune. Yo gangsterize chaque section communale yo. Yo mette zame dans mes petits jeunes yo puisque zame non c'est avenir. C'est pas éducation non qui avenir encore. Jodi an ou même qui chita sous ban l'école. Ou même qui passe tout ton jour dans l'école, qui redit entrer dans l'université, qui redit entrer dans l'école professionnelle. Yo faut comprendre ce temps ou perdu. Yo faut comprendre ce temps ou perdu parce que nègla drug dealer que lié, nègla kidnapper que lié, li ka ministre. Nègla gros kidnapper, drug dealer, yo ka gen des responsabilités pour y défendre des intérêts soi-disant collectifs. Comment t'as vu les paysages avancer? Comment t'as vu les paysages changer? Nous, un changement là. Et c'est ça que fait, c'est ça que fait, je dis, en réalité, c'est qui s'allie, c'est quoi qu'on nous. Nous pas cap tolérer des séries de nègres qui gagnent des casiers pilonnés pour nous. Nous, notre tête, l'État, dirigeons l'État, et qui l'État, on l'État dégringoche, que yon même encore yon créé toutes conditions pour vivre dans la situation et là, dans la misère et là, dans l'insécurité et là. Pas gagné qu'a fait en dedans pays ça sans que nèg yo pas connait non problème Matissan nous pense si on te veut résoudre pas d'après résoudre problème quoi des bouquets nous pense si on te veut résoudre pas d'après résoudre
tête chargée. Comme si yo pas connait, yo pas connait numéro gang yo, yo pas connait numéro bandi yo, yo pas connait côté yo rete. Machine officielle yo qu'on a poulé yo, côté yo joindre ni. Plaque officielle yo qu'on a poulé yo, côté yo joindre ni. Uniforme la police yo mettez sur yo pour faire kidnapping yo, côté yo joindre yo. C'est pas même autorité yo distribué yo. C'est pas même autorité qui gagne contrôle yo. En sérieux. On a comprendre que Bon, là, qu'a privé tout bon, nous pral comprendre que kidnapping, non, c'est pas seulement bandit en fait kidnapping, non. Bandit en fait kidnapping, non. En pile fois, bandit en fait, li fait, et li gen recette pour le bail. Li gen recette pour le bail. Li gen compte rendu pour le bail. Li gen. Non, moi, franchement, réalité, ça, moi, m'pas quoi, c'est non pays nan vivre. M'pas quoi, bon peuple qui accepte vivre comme ça toujours. Non, je ne peux pas comprendre la réalité. Vas-y, ou accepter que la vie ou un groupe nèg décide, un groupe nèg de manière organisée dans tête l'État, ils décide à prendre la vie impossible. Un paquet nèg qui de facto, qui illégaux, ils ont décidé de mettre tête ensemble, ils ont volé. Ou bon, l'autre paquet bandit en bas, bandit ça a instrumentalisé, bandit ça a fait, ils ont sous influence, sous contrôle nèg en les aïe. So pa ket ti marionnette yo et puis yo même tout yo fò même bagay la y a pas pauvre ou y a violé jeune fille ou y a violé jeune garçon y a kidnappé petit tout y a touyé petit tout y a arraché petit tout mais réalité nan vivant dedans pays ya, nous tout n'attend tout pas nous récemment yo kidnappé yo doyen yo université l'état autant de rectorat sorti note pour yo libérer doyen. Puis, ils libèrent les doyens. Les doyens vont libérer. Ils ont kidnappé les étudiants. Ils ont sorti une note pour libérer les étudiants. Comme si chaque secteur touché, qui touché avec vague insécurité, ou tant de porte-voix, ils ont un porte-voix qui dit libérer X, libérer Y, libérer Z. Mais, les petites soyettes là, qui pas de monde qui peut parler pour lui. Les petites soyettes là, qui pas dans l'université. Les petites soyettes là, qui pas médecin, qui pas avocat, qui pas comptable, qui pas travail, qui est-ce qui parle pour lui? Qui est-ce qui a parlé pour lui? Qui est-ce qui a fait tant de voile? Qui est-ce qui a fait qu'on ait été kidnappé? Donc, réalité, nous vivons dans le pays. Il y a crise sécuritaire, ça. C'est nous tous qui pour dire nous avec elle. Depuis l'heure, il y a monté dans tête pour voir ça depuis 20 juillet. La promette que Martissan a flexible. La promette que route Martissan, tout le monde a pas passé là-dedans. La promette que situation qui est dans Martissan, il y a résolu. 7 mois plus tard, rien pas fait. Et puis, il était là dans le figu, il a débattu, il a même bagaille, il a dit même tintin. Nous quoi? Avec politiciens, acteurs politiques, nous, Jésus revient bientôt. Nous, là, nous attendons. Mais quand même, nous connaissons Jésus pour venir, pas vrai? Nous connaissons la Bible à dire. Faut nous lire la Bible en passant. Donc, c'est même genre, bon, pas quelques promesses que nous avons fait, nous, là. Promesses, c'est des promesses qui ne peuvent jamais atterrir. C'est des promesses qui ne peuvent jamais atterrir parce que nous connaissons la réalité en vrai. Nous connaissons la réalité avec les gens. Ils ont joué sur l'émotion, ils ont joué sur la patience. Nous. Et j'ai l'impression que c'est le seul peuple patience qui n'a pas de limite. Patience n'a pas de limite. Yo là, ils ont attaqué, ils ont attaqué, nous ne pouvons jamais réagir. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate, Zesof Moringa pour des solutions pour nous. Gagnez outils si on peut mal qui permettent d'allonger peine ou balle longue ou vle pour mon ouvle. Gagnez bande si on comprimé qui permettent de gagner bon gens en dirant sexuel. Wow! Pour plus d'informations, relevez dans 514-886-9776. Ou bien, visitez site là, www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mat gen zouti à comprimer gen bon, mesdames yo c'est mariage seulement y a mandé. Ah, pas fait ça monsieur, pas fait ça. Nous connaissons pas capable prendre pose moringa. Et d'ailleurs pose c'est pour nous prendre et pour nous profiter placer commande nous pour nous profiter reler dans numéro, prendre bon genre information pour acheter produit et pourquoi pas. Nous besoin produit.
Je ça t'ai annoncé dans début émission, t'ai parlé nous de Jovenel Lissio qui ont même décidé au pas bay vague. Yo pas bay vague d'autant que justice pas faite, d'autant que premier ministre de facto Ariel Henry yo pas metté hors d'état de nuire. Et bien qui ça privé? Yo récemment yo t'ai adressé yo t'ai allé ouais Luis Almagro qui c'est secrétaire OEA. Et bien fois ça c'est tout. Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies. Il n'y a pas de pire. Il n'y a pas de pire. Et c'est toujours la même logique, c'est toujours la même idée qu'il a. Côté que Ariel Henry, il peut faire l'autre bagaille que bloquer l'enquête là. Côté que Ariel Henry a gagné des révélations que CNN fait. Côté que des CPJ fait des révélations, RNDDH fait des révélations. C'est toujours la même logique, ça, yo. Jovenel Lissio, yo adressé avec et Antonio Guterres parce que y a en pile préoccupation et nous même tout comme population comme haïtien qui vivent en Haïti nous avons des préoccupations à l'extérieur pays ou à suivre de près dossier assassinat Jovenel Moïse on a des préoccupations l'on a gardé malgré toutes et accusations qui gagnent sous Ariel Henry ou Ariel Henry il est plus confortable que jamais faut poser toutes des questions donc monsieur et Claude Joseph Rockefeller Vincent Bedford Claude qui s'en fait il a fait des démarches pour regarder dans qui mesure qu'a gagné un tribunal spécial qui montait pour tendre pour juger tout le monde qui participait dans tout le Jovenel Moïse. Donc, est-ce que l'a pas abouti? Est-ce que démarche a pas abouti? Est-ce que attente Jovenel Lissio a comblé? Nous pouvons connaître. Mais ça qui est sûr là, c'est que après agent FBI a été rentré en Haïti, il a été allé dans la pénitentiaire nationale, il a été allé interviewer, il a été allé poser des questions avec des séries de nègres qui participaient et qui en détention. Dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse, eh bien, faut que moi dis non, rapport là, li pari. Rapport là, li pari, dans le jour là, encore, toi, l'en pral chauffer. Jean, nous autres, CNN, t'es chauffé la République avec les dossiers Ariel Henry, à côté que, y'a été impliqué, et juge Gary Aurélien là-dedans. Eh bien, fois ça, nous pral tendre de nouvelles révélations, pral gen nouveau nom, qui pral sauter dans le jour là, que ce soit à travers des articles de journaux étrangers. Bah, qu'on est si c'est dans CNN l'a sauté, mais CNN a bien pour écrit. Mais, il y a un rapport partiel FBI là qui l'a. Rapport partiel là. Donc, déjà là, préparez-nous dans le week-end, dans le début de semaine là, pour nous recevoir les révélations. Notre révélation, ça y est. Est-ce que vraiment révélation ça yo pral servi et pour mettre un nouveau juge d'instruction qui a bien pour venir sous dossier pour mettre yo sous des pistes est-ce que réellement nous pral servi avec piste ça yo pour nous pour ta inculper des séries de monde qui réellement participé dans tout le Jovenel Moïse qui participé dans complot pour assassiner Jovenel Moïse nous la n'a suivre mais ce qui est sûr ce qui est certain c'est que jodi an là dossier Jovenel Moïse c'est un dossier qui est extrêmement compliqué au niveau national au niveau international parce que son crime transnational avant tout son crime qui implique différents et ressortissants différents pays américain là-dedans colombien là-dedans et pas poser des questions même sous t'as poser des questions pour qu'on ait est-ce que et au plus haut sommet de l'État au niveau des États-Unis si nèg yo t'as là-dedans ou t'as founette parce que réponse ça yo y a toujours classé top secret y a toujours classé secret d'état gè bagay ou pa jam ka konnen dans dossier Jovenel Moïse. Donc mes amis si nous chaque jour m'a parlé de dossier assassinat président Jovenel Moïse c'est parce que moi pas vle pour bagay ça répéter encore dedans pays. Moi vle aider nous comprendre réalité qui gagne. Moi vle nous comprendre que si jodi an la gè des officiels gagne des hommes d'affaires, gagne des hommes politiques, gagne des opposants politiques que non y a cité dans l'assassinat un président, nous supposons bataille, nous supposons goumer chaque jour, indépendamment que vous êtes fanatique Jovenel Moïse, que vous n'êtes pas fanatique Jovenel Moïse, nous supposons bataille chaque jour pour empêcher que bagaille ça reproduit dans la République. C'est pas une question de Jovenel Moïse, t'es bien fait, pas de bien fait, etc. Non, c'est une question de Haïti. Et voilà, yo assassiné Jovenel Moïse. Est-ce que le pays n'a pas continué à fonctionner? Est-ce que le pays n'a pas de nouveau dirigeant dans tête? Oui. Mais l'histoire, on seul bagaille l'a retenu. L'histoire a retenu que Haïtien, complot pour tout le président pays, il y a Haïtien là-dedans.
gagne haïtien qui ouvre porte pour faire mes seigneur rentrer, gagne haïtien qui finance pour tout président, etc. etc. Et yo pral retenu que population nous-mêmes nous pas de jambes mandé compte que population lui-même yo pas de jambes mobilisé pour yo connait qui ça t'est passé, yo pas de jambes mobilisé pour vérité et pour la lumière te jaillir sur ça passé. Donc c'est pas en question on vient avec Jovenel Moïse chaque jour. Non, c'est pas ça l'intérêt. C'est pas ça l'intérêt. Bataille qu'a fait là, c'est pour nous empêcher que nèg yo rete impuni. Moun ici que nous identifier yo, faut que yo pas rete impuni. Faut que nous bataille pour souveraineté pays nous respecter. Faut que nous travaille constamment le notant de notion démocratie, état de droit pour yo pas fictif, pour yo atterri, pour nous respecter droit moun, pour nous respecter valeur moun, le droit à la vie c'est un droit sacré. Nous comprenons, droit pour tout le monde vivant dans le pays, son droit sacré. Droit pour tout le monde, une justice, son droit sacré lié. Nous pas supposé à transiger sur eux, nous supposé bataille pour nous faire respecter. Donc, c'est ça l'idée. Et si on exemple vraiment, si on exemple pas tracé aujourd'hui là, pour nous garantir l'avenir politique pays, pour nous garantir souveraineté pays, pour nous garantir respect principe démocratique, pour nous garantir aujourd'hui là, que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on situation pareille pas proposée en Haïti, et comme si nous pas de jambes fait rien, nous ka bouke parler, mais si nous pas motiver population réellement pour qu'on connaît côte droit yo commencer côte droit yo rivé qui obligation yo gen garantie nous que pays nous réveillant c'est la caille moun nan pou mais la caille nous a toujours gen stabilité a toujours gen crise. Donc tout a été dit et bataille la continuer, mobilisation yo a continuer et faut nous rivé avec pays en côté nous espérer en tout bon. C'est la moindre des choses. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays ou, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, si j'passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat. Même Yannick l'en même voix. Oh yeah.